C'est la poubelle avec lui. Il est fou. Il va caler là. Yeah. Yeah. Salut les gars, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Mais c'est quoi ce bruit? Ça va ou quoi mec? Comment ça va? Eh ben écoute, j'ai pas eu le temps de faire mon introduction. C'est Kenny Thomas, vous le connaissez certainement. Il a gagné la France, un incroyable talent avec la moto trial. On a fait de nombreux shows d'ailleurs depuis quelques années. Pas mal de franchement shows ensemble. Et ça fait plaisir puisque il est en moto trial. Moi je suis avec le street trial. On va se faire un The Floor is Lava. Pour ceux qui connaissent, regardez où on est. Premier épisode qu'on avait fait avec Scoot de Street, c'était ici. Le même point de départ, seulement ça va pas être une trottinette, ça va être une moto trial. Kenny, tu connais le principe de The Floor is Lava? À chaque fois, on a 5 secondes. The Floor is Lava. 5, 4, 3, 2, 1. Enfin, va falloir que tu trouves un mur sur lequel monter. Ou peut-être faire des figures parce que je crois que tu sais faire des backflips même. Tu vas en lancer un aujourd'hui peut-être? On va se chauffer un peu. Ouais, il fait 0 degré les gars. Là c'est mois de décembre, il fait froid. Let's go. Moteur, moteur, action. Yeah. Kenny, The Floor is Lava. 5, 4, 3, 2. La moto est froide. La moto est froide ou le pilote est froid? On va aller trouver plein de spots. Et là c'est chaud. Aurel, ouais. The Floor is Lava, ouais. 5, 4, 3, yes. J'ai envie de te voir sur le même spot. The Floor is Lava, Kenny. 5, 4, 3, 2, youhou. Lourd. Et elle a remonté. Yep. Mon vélo, mon vélo. Ah. Yes, ça commence bien. Hop, on récupère. Hey Kenny, petit défi, est-ce que t'arriverais à sauter d'un mur à l'autre là-bas là? C'est pas un The Floor is Lava, c'est un petit challenge. C'est plus long que mon vélo. Fais hein. Gaffe, ça glisse un peu je crois avec la wax des skaters. Yo! Oh oh oh. À moi? Ok, je prenne du speed dans les feuilles. Et le mec il a pas de moteur. C'est dans les feuilles. Oh. Aurélien Fontenoy, paysagiste, nouvelle carrière. Yes, il est facile. J'en ai un très gros là-bas, très très gros. Très très gros. Venez voir ce qu'on va se faire. Je vais te proposer celui-là. Est-ce que c'est faisable? Il est fat quand même en moto, non? Il y a deux motos et demi. Vite, Kenny! The Floor is Lava, je te laisse un peu plus de temps. Oh là là! The Floor is Lava! 5, 4, 3! Wouhou! Il est malade, les gars, je vous avais prévenu, il est malade. Ça arrive sur la roue arrière. Yeehou! Yeah! À toi, mec! À moi? The Floor is Lava, 5. 4, 3, yes. Youhou. Yes. Bon, après le mec il est chez lui aussi. Hein. La prochaine fois on va à la maison. La prochaine fois on va à Paris, c'est ça chez toi. C'est ça. Allez, je vais te faire découvrir un petit peu plus le campus. Là on est sur la petite place du début. On finira par le backflip. Il y a un spot à backflip là-bas. On va le garder pour la fin, pour le suspense. The Floor is Lava. Tu le vois le joli mur là? 5, 4, 3. Ok. Ok, magnifique. T'as plus de moteur? Non, on va couper comme ça on entendra bien. Allez Aurel, The Floor is Lava, 5. Non mais elle est trempée. 4, elle est trempée. La poubelle elle bouge. J'avais dit qu'elle était trempée. Et puis elle bouge. Mec, regarde, t'as vu sur quoi tu m'amènes? Ferraille, mouillé et pneu. Ouais. Ça fait pas. Yes. Il y a encore du gel, tu vois, sur la poubelle. Par contre, viens voir là, il y a un truc que j'ai envie de te faire faire. Allume le moteur, on va voir si tu sais faire du freestyle. J'ai envie de te dire, tu vois le mur à gauche? C'est un The Floor is Lava, Kenny. 5, 4, 3, 2, yeah. Ça aurait été magnifique, un petit nose comme ça, reculé, t'y arriverais ou pas? Ah oui. Ouais. Ah oui, 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 oui. Yes. On le valide celui-là, on le valide. Allez, à toi, mec. Ah, le mec, il va être facile en vélo. Ah, il part d'en haut. Il est propre. Yes. Oh, le mec, il saute d'en haut. Et après, tu sautes sur le chien. Ok. Là, il veut se refaire toute la descente en nose manuel. Enfin, sur les freins, quoi, en fait, en nose. Ouais, ouais. Lourd. Oh, il est chaud. Kenny, The Floor is Lava. 5, 4, 3. Facile. La pierre. Ouais. Yeehou. On va aller là-bas, il y a d'autres trucs là-bas. Aurel, The Floor is Lava. 5, 4, 3, 2, 1. Ouh. On continue, on continue. Kenny, The Floor is Lava. Sur le banc. Oui. Voilà. La sortie. Yeeha. Allez, Aurel, The Floor is Lava. 5, 4. Le truc en place.
En vrai, c'était bon, non? The floor is lavage. Là, t'es chaud parce que t'arrives dessus, il y a tout qui se barre. T'arrives là, c'était parti en moto ou quoi? Ah, ça peut s'essayer, faut le mettre au mieux. Vas-y. Allez, on se fait un petit défi. Défi bunny up. Allez, parfait. Si, je suis curieux de voir. Ouais. Bon, ça craint rien, si on le tape, ça va se renverser. Oh! Presque, hein? Il y a moyen, il y a moyen. Comme ça déjà. Là, easy, non? Yeah! Là, ça a touché, ouais, un peu déjà. Voilà! Attendez les gars, regardez, prends des risques pour la vidéo. Et si c'était moi l'obstacle? J'ai vu qu'il était capable de sauter un peu plus haut. Je vais laisser la caméra comme ça. Ah ah, il revient! Ah, il s'arrête plus! Arrêtez-le s'il vous plaît! Arrêtez-le! Ah ah, il est fou! Il est fou! Ah non, mais pas trop quand même, attends. Juste un déjà. Ah, je pourrais pas en sauter deux, hein, perso. Allez, mec. Oh, il est simple. C'est quoi? Regarde. Coller, attends. Juste coller. Ça. Comme ça, on bunny. Ah, là, on est long, hein, quand même. Wow. Ça a effleuré. Non, c'est pas moi, ça. C'est pas moi, c'est pas vrai. Toujours rangé, voilà. Après. Je pense que j'ai vu un petit truc là-bas, ça va être sympa. Ouais. Du coup, c'est à qui? C'est à moi de te lancer à The Floor is Lava, maintenant. Alors... The Floor is Lava, à droite. Ah non, il part là-bas, il change de... Ok, 5, 4... 3, 2, wouhou! Validé. Je me souviens avec Scoot de Street de ces barrières. J'avais crevé sur cette dernière barrière là-bas là. Je les avais ratées. Hop, c'est à moi. The floor is lava. 5, 4, 3. Hop. Yes. Oh le mec. Oh, il est raté. Yes. Par contre, j'ai un truc stylé pour toi. Les règles, c'est de pas reprendre les mêmes obstacles. Hein. Donc les bancs, c'est interdit. Les barrières, c'est interdit. Kenny, the floor is lava. 5, 4, 3, 2. Ah, faut monter sur quelque chose. Ah oui. Le malade. Oh, ça a bougé de ouf. Allez Aurel, on arrête de rire. The floor is lava. 5, 4, 3. Oh putain. Elle est vénère. Allez, jusqu'au bout. Ok. Ok. Ceux qui ont vu le premier épisode, ils savent que j'avais crevé là justement sur ce truc là et que j'avais galéré. Ça veut dire que j'ai progressé aujourd'hui. J'ai un autre défi. Défi équilibre encore. Rouler là avec la moto là. Juste là là. Là. Tu as deux doigts, trois doigts, allez. 5, 4, 3. En plus il y a la pression. 2, 1. Oh là là. Oh là là. Oui. Ah c'est magnifique. Yes. La sortie. Oh là. Ok, à combien de pouces bleus tu tentes ça avec une moto? Combien de pouces bleus les gars? 50 000 pouces bleus, on revient et fait ça avec la moto. C'est la mort assurée là. On repart sur les petits défis. Est-ce que t'arriverais à rouler sur une barrière là? Ah là. Ah ouais. En plus la glisse là, c'est trempé. Ah oui, oui. Magnifique. Oh trop stylé. Yes. Yes. Oh attention la tête. Oh, je pensais pas faire ce try et tout. En plus c'était trempé hein. Ah ouais non. Putain t'as géré hein. Ouais, ok, allez, ça va, j'essaye. Hop. Yes. Okay. Ok, on regarde bien loin. Ok. Oh, yes. Voilà. Bike life. Yeah, bike life. Dans la street. Yeah. Allez. Défi wheeling. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Combien de temps il va tenir? Ah, le salaud. Allez. Eh hey Kenny, the floor is lava. 5, 4, 3, 2. Yes. Ah oh. Oh ouais, il s'arrête pas. Ok. Oh oui. Yes, le 180. Le mec a rincé le spot en 20 secondes, du coup on n'a plus rien à faire. Mais c'était stylé quand même. J'ai une idée Kenny, on va se faire une zone de vitesse. Généralement vélo contre moto ça marche bien ça. Ça nous plaît bien, genre sur les indoors de moto trial on fait souvent ça. Genre la même marche que t'as fait au début là. Après on continue, on se fait l'alignement des 5 tables de pique-nique ici. Là, 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 descendre, qui est ici, là, le mur et on sort là-bas. Tu commences ? Vos pronostics, la moto ou le vélo? On va laisser le suspense, il va commencer. Le chrono, écoute, on le fera avec la caméra. Eh bien écoute, c'est quand tu veux. 3, 2, 1, let's go! Oh là là, ça va vite, ça va vite, ça va vite! Même moi à pied, j'arrive pas là aussi vite. Ok. Oh là là, ça va vite. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non, là je serais pas prêt là.
Oh là là, ralenti. Yes, la sortie. Top. 15 secondes. Je pensais pas que t'allais aller aussi vite. Ok. Son moteur, il va pédaler le garçon. Moi j'ai connu un Aurel Fontenoy en vélo ultra rapide sur les zones de trial à Cahors. J'ai battu Tony Bou, hein. Ouais ouais ouais, il a été ultra rapide. 3, 2, 1, top. Oh le mec il va plus vite que moi. Oh, tiens, par là, le mec, il est rapide. Ouh, 16 secondes. Une seconde de plus. Oh, pas mal, hein. Parce que là, tu t'es foiré entre les deux. J'ai foiré, ouais. Si tu te foires pas, tu fais même chrono que moi. À une seconde près. Le mec, il a pas de moteur. Bon défi. Énorme. Énorme, on en refera. Je veux ma vengeance, les gars. Ah, peut-être que dans l'autre sens, je peux être plus rapide, tu crois? Est-ce que c'est maintenant la revanche? Parce que toi, tu vas galérer peut-être sur le virage. Tu vas arriver en 2 secondes, là. Tu vas faire tac-tac. Et moi, là, il faut que je... Par contre, il y a à nouveau la même table. C'est chaud. La revanche. Ça se fait maintenant, la revanche. On va partir dans 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Ok, c'est là où il a dit qu'il serait pas rapide. Ouais, ça va, c'est rapide quand même. Là, ok. Yop. Le mur. Top. 14 secondes. Un mec, t'es allé plus vite. Le mec, il est allé plus rapidement. Ah, j'y crois pas. Non, mais là, le speed, là, tu fais plein gaz et bouh, salut. Pas possible, il va encore me fatiguer là, chien. 14 secondes. Non mais t'as été assez rapide hein, sur le virage quand même hein. Ah, et je suis déjà fatigué moi d'avoir suivi avec la caméra en courant. Je peux pas te suivre moi aussi. C'est vrai, il va trop vite. Bon alors si je foire pas ici là entre les deux là, il y a peut-être moyen, mais faut vraiment pas que je foire. Ouais parce que t'as perdu ta seconde là-bas tout à l'heure. Si on m'avait dit qu'un jour je ferais caméraman. Avec les bottes de moto et tout. Le mec il court en bottes, c'est comme au ski, c'est l'enfer. Il y a Macron là. Ouais j'ai vu tout à l'heure. C'est vrai que t'as mis la roue arrière. Ouais. Casser les dents de Macron là. On y va dans 3, 2, 1, top départ. Voilà, là il a été rapide. Hop, 15 secondes. Ah non, du coup tu m'as encore battu. Ouais, ouais, mais on est à une seconde près, c'est un truc de ouf. Le mec il est quand même en vélo là. En fait, la seconde. Ah, mais ici, bah, c'est ouais, la seconde, c'est ici parce que moi je mets plein gage, j'accélère et lui il pédale. Prends du 0 à 50 ouais. en 2 secondes 3. Moi, tu peux aller à combien avec une moto trial? En Mac, pas très vite, mais. Je pense qu'en 6 à fond, t'es à 100, je pense. Ah ouais, 100, quand même. Ouais. Ouais, tu peux monter. Après, ça brûle. Ça brûle. Si vous voulez une vidéo où Kenny fait brûler sa moto, bah marquez dans les commentaires aussi. Faudra un petit budget là pour ça. Belle moto. Alors, bah, je suis un peu déçu là, j'ai envie d'arrêter la vidéo là parce que j'ai perdu. J'ai un petit spot à backflip. Ah oui, j'allais l'oublier. On va aller faire du backflip les gars. Avant, tu crois que je peux essayer la moto ou pas? Ouais, de ouf. T'as fait du vélo toi plus jeune? Ouais, tu me fais une petite démo? On refait une zone de vite. Non, parce que moi je monte même pas une table de pique-nique, même pas peut-être les trois escaliers là alors. Ça fait longtemps que je l'avais pas fait. C'est avec les bottes et tout. Ah ouais, avec les bottes. Ah ouais. Ouais, ça accroche là. Hein. Ah bah voilà alors, moi je monte pas ça en moto. Hein. Oui. Sortie et tout. Ah ouais. Stylé. Pas mal, ok. Attends, regarde. Bah là, c'est une petite moto léger, quoi, que t'as. Ouais. Yes. Eh, hey, en vrai, tu gères pas mal hein, le vélo. Hein. J'en ai fait un petit peu. T'en as fait combien de temps? Pendant 2 ans. Ah ouais, c'est tout? Ça m'a aidé pour la moto, en fait. Ah bah ouais, de ouf. Mais souvent, il y a plein de motards qui font des clips en vélo, ils se débrouillent bien. Hein. Bon, bah alors moi, avec une moto, ça va pas être la même. Hein. On va essayer tranquille. Tu l'as modifié ou pas, par rapport à une moto trial ordinaire? Là, je vois le garde-boue déjà. T'as coupé là? Je coupe les plastiques pour que ça fasse un peu plus freestyle. Ouais. C'est les suspensions qui sont durcies à mort. Comme moi, je roule en enduro, un peu trial, je mets les suspensions à bloc. Les pneus avant, normalement, on roule à 450 grammes en trial, à l'arrière 350. Ouais. Plus là, je mets 1 kg devant et 800 derrière. Ah ouais, au taquet, ouais. Ah ouais. J'ai quand même essayé de prendre ça. Ah non, mais là, jamais de la vie, j'y arrive, mon gars. C'est vrai? Entraînement déjà. Roule en quoi? En première? Ouais, en première, c'est bon. L'embrayage, les vitesses, le poids mort, c'est au milieu. Ça doit faire genre, la dernière fois que j'ai roulé sur une moto, c'était au trial indoor de Paris-Bercy, Ibra TV. Ah, Ibra TV, fait... exact. Et voilà, c'était la dernière fois. Là, j'arrive à l'allumer. Là, je suis en quoi, là? Là, la une, elle est tout en bas. Moi. Facile. Il va caler là. Ouais. Essaye de monter l'avant dessus et quand il est dessus, t'accélères et tu fais une impulsion. En une, hein, tout doucement. Yes. Wouhou. Le mec, il est chaud. First try. L'arrière a tapé, mais nickel. Hein. Voilà. D'avoir monté ça, hein. Pas mal déjà. On voit les bases du trialiste quand même. Du coup, allez, on va changer. Bon, je suis content. Voilà, j'ai fait mon petit tour de moto. Oh, Kenny, le saut.
Wouap. The floor is lava. 5, 4, 3. Youhou. The floor is lava là sur le gros mur. Oh, il va être magnifique. Le trialiste va parler. Yes. Oh, il recommence, il s'arrête plus. Non. Je sais à quoi tu penses. C'est dommage. Je sais à quoi tu penses. Ça peut le faire ou pas le backflip là-dessus? Oh, tu me ferais. Oh, tu me ferais rêver. Bah, ça fait une petite cassure, mais. Oh là là, on veut le voir. Yes. Faut y aller. Ok. Quand faut y aller, il a dit. C'est maintenant, ça veut dire. Ça va être beau ça. Et... Oh putain. Ça va le faire, ça va le faire. Oui. Oh, sur l'avant. Lourd. Réception roue avant. Ça repart, deuxième essai. Yes. Wouhou. Lourd. Oh là là, le malade. Le malade. Ça c'est validé. Vous avez le droit de vous abonner. Kenny Thomas, écrit là. Allez vous abonner les gars. Lourd, 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 lourd. Mec, tu me fais rêver. Oh, la trottinette. La trottinette. The floor is lava. 5, 4. On arrive sur le fameux backflip. Il est toujours là. Il est bien sec. Qu'est-ce que t'en dis? Là, faut tirer. Il est pas très raide pour toi. Hein. Autant pour le vélo, il est cool. Autant pour la moto, il est un peu plat, je pense. Ouais. On va tester ça. Hein. On va voir. Tu vas direct, là? Ok. D'accord, pas le temps. On va terminer la vidéo là-dessus. Oh, 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 oh. Ah, oh, oh, oh. Il est trop plat. Ah ouais, il est un peu court celui-là. Oh là là, la frayeur, on va mal terminer la vidéo là. Ça va mal terminer. Ah, ça a pas trop tourné quoi. Il manquait un peu de... Oh. Ça va? J'ai tapé les rotules. Ah ouais. Aujourd'hui là, ça a reçu ouais. En fait, avec le temps, il commence à être de plus en plus plat. Essaye de pas faire la même quoi. Non, oh, tu le connais non lui? J'ai pas vu. J'ai regardé la caméra pour essayer d'être... Oui, j'ai pas ça tourné. Va? Ok. Reste sur le vélo, tire. Yeah. Ah ouais, il est passé. Yeah. Et ben voilà, c'est une bonne fin de vidéo les gars. J'espère que ça vous a plu, le petit ride trial moto contre vélo avec Kenny Thomas. Il a lancé la chaîne YouTube, donc allez le suivre bien sûr. Petit Kenny, merci à toi pour l'invitation. Tu m'as fait rêver aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu aussi, donc lâchez le petit pouce bleu. Pensez à vous abonner et puis à une prochaine. Ciao les gars. Ciao, ciao.